Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, merci. Merci. Ce soir, on va parler de quoi? Luca Di Fulvio avec Mama Roma. Mama Roma, et non Di Roma, parce que c'est Di Fulvio, qui a écrit... Le gang des rêves, qui se passe à... Le gang des rêves, qui se passe à New York. Très bien. Les prisonniers de la liberté, qui se passe à... En Argentine. Très bien. Les enfants de Venise, qui se passe à... Venise, forcément. Hein. Le soleil des rebelles. Qui se passe... Qui se passe à, au royaume de Saxe. Très bien. C'est au Moyen-Âge. Et Mama Roma. Mama Roma qui se passe à Rome. Hein, forcément, bravo. Il est là, il est ici, il est tout beau. Félicitations. Merci. 5 points, carton plein. Pff, tout ce que vous voulez. Oh, oh. Un voyage à Rome. Oh, en parfait. 1870, ça vous dit? Parfait. Très bien. En 1800, peut-être pas, mais bon. Attention, en 1870, petite particularité. Il y a Rome qui est indépendant du reste de la nation italienne. Voilà. Et Nous allons suivre deux personnages. La première, c'est une adolescente qui est dans une troupe de cirque et qui va rentrer dans un clan pour libérer Rome, pour qu'elle intègre la nation italienne. Okay. Par contre, nous allons suivre également un garçon qui va être adopté par une comtesse. Mais malheureusement, le comte va se suicider à cause de la nation italienne. Comtesse qui va perdre sa fortune et son rang. Donc et elle va... Elle va s'échapper à Rome pour être protégée par le pape et les soldats français. Vous avez tout le monde a compris, je pense, où on va arriver. Oh bah oui. C'est-à-dire on va arriver aux rencontres des deux personnages, donc voilà. Du garçon et de la fille. Et donc sauf que malgré leurs idéaux contraires, voilà. L'amour va quand même primer. Attention, nous ne sommes pas dans du cucu. Non, mais l'amour avant tout. Alors, Luca Di Fulvio, c'est toujours le même délire, toujours la même intrigue. Deux personnages... lutte des classes, les idéaux politiques contraires, etc., etc. Et pourtant, bah, c'est à chaque fois deux univers qui se rencontrent pour le meilleur et le meilleur. Voilà. Voilà. Luca Di Fulvio, qu'en penses-tu? Ah, moi j'aime beaucoup, hein. J'apprécie. J'aime pas forcément l'historique, mais Di Fulvio, bon bah, il faut y aller, hein. Il faut l'essayer. Au moins l'essayer avec celui ou le gang des rêves, mais celui-là. Avec le gang des rêves qui est son plus connu et oui. Qui, je pense, va parler à la majorité des lecteurs. Luca Di Fulvio, c'est il pour peut moi. Leur conseiller celui-là également. C'est pour moi le plus grand auteur actuel avec Elori, avec en France, on peut dire. Franck Buis. Voilà. Éviter Orpheline. Voilà. Éviter Buveur de vent aussi. Éviter. Luca Di Fulvio, faut y aller, faut foncer. C'est des gros pavés à chaque fois et pourtant du début jusqu'à la dernière page, c'est passionnant. Ouais. Contexte historique parfaitement retranscrit et pas pénible. C'est non, pas long. Pas pénible. C'est vrai juste... qu'il en fait des pavés, mais c'est pas ennuyant. Hein. Hein, on s'ennuie pas et malgré, on peut pas forcément s'y attendre, mais on peut quand même être surpris. Hein. C'est ça qui est bien. C'est que même si l'idée directrice, on l'a compris depuis la première page. Même si on sait où on va aller, il y a toujours deux, trois surprises. Et oui, on reste passionné, on reste scotché. C'est ce qu'on attend. Hein. Et c'est que du plaisir. Exactement. Bon, et bien voilà, il faut y aller. N'importe quel Luca Di Fulvio, il faut y aller. Allez-y, adoptez-le, louez-le, achetez-le, pardon. Merci bien. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.